tonnerre au FN. Sa présidente, Marine Le Pen, a non seulement condamné les derniers propos de son père, mais elle compte bien le sanctionner. Une première crise sans précédent, donc, pour le parti frontiste. Écoutez. Crise ouverte au Front National. Divorce, implosion. La guerre est ouverte au Front National. Ça n'est pas la première fois que Jean-Marie Le Pen provoque un séisme au sein du parti. Tout est parti d'une interview du président d'honneur du Front National. Au magazine Rivarol, où il prend la défense du maréchal Pétain et stigmatise Manuel Valls sur sa nationalité. Mais là, du point de vue de la direction du Front National, ça va trop loin. Sa fille fait savoir qu'elle s'opposera à la candidature de son père aux élections régionales en PACA. On en parle avec Nicolas Besse, secrétaire général du Front National. Bonsoir Nicolas Besse. On va d'abord voir ce qui a déclenché la colère de Marine Le Pen. Une nouvelle interview dans le journal d'extrême droite Rivarol, journal qualifié de torchon antisémite par Louis Alliot. Alors, je vais citer ses propos. « Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître. L'on a été très sévère avec lui à la Libération. Et je n'ai jamais considéré comme de mauvais Français ou des gens infréquentables ceux qui ont conservé de l'estime pour le maréchal. Il s'en prend également à Manuel Valls, Français depuis 30 ans quand lui l'est depuis 1000 ans, dit-il. Quel est l'attachement réel de Valls à la France? Cet immigré a-t-il changé du tout au tout, dit-il. Nous sommes gouvernés par des immigrés à tous les niveaux. Enfin, regrettant que sa fille ait condamné sa sortie précédente sur les chambres à gaz, détail de l'histoire, il estime on n'est jamais trahi que par les siens. Alors, Marine Le Pen a-t-elle été choquée par cette interview? Oui, bien sûr, comme d'ailleurs l'immense majorité, même, je pense, l'unanimité des cadres, des militants et même des électeurs du Front National. Oui, mais Marine Le Pen. Pas Bruno Gollnisch. Mais Marine Le Pen, c'est la présidente et c'est la fille. Oui, non, mais très clairement, les propos de Jean-Marie Le Pen n'engagent que lui-même. Ils ne correspondent en rien à la ligne politique du Front National. Il y a une réprobation générale à l'égard de ses propos. Et évidemment, ça pose un vrai problème parce qu'il n'est pas dans ces conditions possibles que Jean-Marie Le Pen porte les couleurs du Front National pour les élections régionales en PACA dans le cadre d'une grande bataille électorale. Alors justement, Marine Le Pen s'offusque de propos qui sont faits pour lui nuire, dit-elle, et pour nuire au Front National. C'est ça qui la choque, c'est cette faute de stratégie qui lui porte préjudice et non la faute morale. Non, mais je crois qu'il faut être clair. Marine Le Pen l'a dit, elle réprouve ses propos sur la forme et sur le fond. Mais comme elle parle aussi de cette nuisance personnelle, elle avait déjà dit au moment de la fournée, la fameuse fournée, c'était je crois au mois de septembre, que c'était une faute politique. Encore une fois, c'est sur le fond et sur la forme. Elle l'a dit très clairement, il y a une réprobation totale. On ne voit pas bien d'ailleurs quel est le sens de ses propos de Jean-Marie Le Pen. C'est un goût immodéré de la provocation, un besoin de faire parler de lui. Moi, je trouve ça assez dommage et je pense me faire un peu le porte-parole de beaucoup de militants du Front National qui sont un peu désabusés, qui trouvent navrant que Jean-Marie Le Pen finisse comme ça. Il aurait pu montrer avec la clairvoyance dont il a su faire preuve dans son parcours politique, prendre de la hauteur de vue, etc. C'est dommage. C'est parce qu'il est vieux? C'est parce que je vous trouvez pas, gâteux? Je ne sais pas. Je pense qu'encore une fois, que c'est une façon, une volonté de faire parler de lui à toute force. Mais voilà, quelle que soit l'estime ou même l'affection que nos militants, nos cadres peuvent avoir pour Jean-Marie Le Pen, très clairement aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, la présidente du Front National, c'est elle qui fixe la ligne, elle est la garante de cette ligne politique. Et aujourd'hui, elle est prête à tuer le père? En tout cas, oui, enfin, faut peut-être pas utiliser des mots. Là, pour le coup, l'expression n'a jamais été aussi bien appropriée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen se comporte comme une femme d'État, au sens où, alors qu'évidemment, il y a aussi une dimension personnelle et affective qui n'échappe à personne, eh bien, elle sait prendre ses responsabilités, sauvegarder l'intérêt supérieur du mouvement et donc sauvegarder l'intérêt supérieur du pays, parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour se faire plaisir, c'est un combat pour défendre la France et les Français qui, aujourd'hui, se trouvent dans une situation dramatique. Alors justement, elle ne se contente plus de condamner, elle sanctionne comme un vulgaire militant ou candidat qui aurait proféré des propos antisémites, racistes pendant la campagne, ça a été le cas souvent. C'est le même cas là? Ça s'applique de la même manière à Jean-Marie Le Pen? On ne peut pas exiger l'exemplarité de la part de nos milliers de candidats aux élections et avoir dans le même temps quelqu'un qui, sous prétexte qu'il est président d'honneur, puisse s'affranchir comme ça de la discipline élémentaire du mouvement. Donc bien sûr, la discipline qu'on impose à tous nos cadres, à tous nos militants, à tous nos candidats, elle s'applique exactement de la même façon et ça avec éventuellement la même sévérité c'est nouveau, à Jean-Marie Le Pen. C'est nouveau.
Parce que ces propos, ils ne sont pas nouveaux, Jean-Marie Le Pen, il n'a rien découvert. La volonté, comme ça, de multiplier les provocations. C'est la multiplication qui fait la gravité du. On a le sentiment que voilà, Jean-Marie Le Pen est parti un peu sur une dérive assez inexplicable. Et donc, évidemment, ça nécessite de rappeler très fermement la ligne politique du mouvement. Oui. On va écouter des réactions de responsables du Front National et du Rassemblement de Marine. Je ne peux pas supporter qu'on fasse l'éloge du régime de Vichy. C'est pour moi. Physiquement, sensitivement insupportable. Ce sont des propos accablants et je crains que Jean-Marie Le Pen dise exactement ce qu'il pense. Jean-Marie Le Pen a exprimé une position qui marque une rupture totale, définitive, irréconciliable avec la position du Front National. Pour Marine Le Pen, pour moi, pour d'autres personnes, les chambres à gaz, c'est pas un point de détail, voilà, donc il faut qu'il arrête. Vous faites partie du bureau politique qui sera rassemblé le 17 avril prochain. Vous voterez contre l'investiture de Jean-Marie Le Pen en région PACA pour les régionales du mois de décembre. Bah, écoutez, on va voir d'abord si la question se pose sous cette forme-là au bureau politique. Voilà. Mais en tout cas, Vous l'avez dit vous-même. Très clairement, bien sûr. Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen n'est pas du tout la meilleure locomotive aujourd'hui, pour reprendre une expression qu'il avait utilisée, pour conduire notre liste régionale en région PACA. Et très clairement, l'attitude qui est la sienne le met de fait dans une position de rupture avec le Front National, de rupture avec la communauté militante et avec les électeurs du Front National. Vous avez lu son communiqué, paru il y a une heure. Hein, il n'a pas l'intention de se laisser faire du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait référence à la scission de 99. Il dit « Comme en d'autres temps, d'aucuns ont ouvert au Front National une crise qui pourrait être grave de conséquences. » Vous êtes bien placé pour en parler, Nicolas Bay, parce que vous, en décembre 98, vous avez choisi Maigret contre Le Pen et vous connaissez la leçon de l'histoire au Front National. Tous ceux qui se sont dressés contre Jean-Marie Le Pen ont toujours perdu. Oui, quand il était président du Front National, il ne vous a pas échappé que la situation a sensiblement évolué et qu'aujourd'hui, je crois que Marine Le Pen fait l'unanimité, c'est sa stratégie qui a été validée. Vous pensez qu'il est tout seul, Jean-Marie Le Pen, au sein du parti, à penser cela ? Je crois de façon tout à fait certaine qu'à l'unanimité, nos cadres, nos dirigeants soutiennent Les militants, Bruno Gollnisch, sur France Info, il y a une heure encore, il déclare ne pas avoir été choqué parce qu'il a lu dans l'interview de Jean-Marie Le Pen dans Rivarol, qui trouve que les propos sur Pétain sont tout à fait justes, qu'aucun historien ne peut s'y opposer. Bruno Gollnisch, c'est pas rien, c'est celui qui a été candidat contre Marine Le Pen au dernier congrès du Front National. Bruno Gollnisch s'exprime librement, c'est son point de vue personnel. Ah, il n'est pas sanctionné, lui ? Parce que quand on s'exprime librement et qu'on soutient de tels propos, on est sanctionné. On verra bien. Moi, je n'ai pas entendu Bruno Gollnisch tout à l'heure parler, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que notre bureau politique sera amené, en effet, à prendre une décision. Le débat de savoir qui sera notre tête de liste en région PACA, c'est un débat qui a lieu à l'intérieur des instances du Front National. Mais très clairement, aujourd'hui, il y a une unanimité de soutien à la ligne portée par Marine Le Pen. Vous ne craignez pas quand même des départs du Front National ? Il a quand même représenté le Front National pendant longtemps. Il a créé ce parti. Il a réuni 18% de votes lors de la présidentielle de 2002. On imagine qu'il a quand même beaucoup de soutien, des gens qui s'identifient à lui et à son message. Oui, je crois qu'il faut distinguer deux aspects. Il y a, et je suis encore une fois comme secrétaire général, je suis bien placé pour le savoir, une vraie estime légitime au demeurant à l'égard de Jean-Marie Le Pen, de son œuvre politique. Il y a souvent un attachement affectif qui est naturel à l'égard de celui qui a fondé le mouvement, qui l'a dirigé pendant 40 ans. Mais il y a aussi, je crois, aujourd'hui, une adhésion très forte à la ligne politique de Marine Le Pen. Vous dites qu'elle est plus forte que lui, en fait, aujourd'hui. Elle peut se permettre de se débarrasser de lui. Et très clairement, un rejet de cette attitude provocatrice de Jean-Marie Le Pen. De la part des militants également ? Oui, bien sûr, je crois à la fois non seulement des cadres et des militants, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le soutiennent sur les réseaux sociaux, qui soutiennent, soutiennent Jean-Marie Le Pen. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Je crois surtout qu'il y a, encore une fois, des personnes qui peuvent être attachées à la figure politique qu'est Jean-Marie Le Pen, mais les provocations dont il a fait preuve depuis quelques jours suscitent la réprobation générale. Vous pouvez gagner, le Front National peut gagner la région PACA sans Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, moi, je crois que ce soit la région PACA, Pas-de-Calais, Picardie ou même d'autres régions sont gagnables par le Front National compte tenu des très bons résultats obtenus aussi bien aux européennes qu'aux départementales où on a largement dépassé la barre des 30% des voix. Oui, mais c'était une figure de proue. Le bureau politique va désigner la tête de liste si ça n'est pas Jean-Marie Le Pen. Ça peut être sa petite fille. Je n'ose pas imaginer que Jean-Marie Le Pen se place dans une logique de rupture et de dissidence du Front National. Et est-ce que vous osez imaginer que sa petite fille se présente alors qu'elle a toujours été proche de lui, qu'elle a mis beaucoup de temps à condamner ses propos. Elle l'a fait, je crois, juste dernièrement. Ce matin, par un tweet. Hein. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de se lever face à son grand-père et de prendre sa place ? C'est à elle qu'il faut poser la question, mais en tout cas, elle a tenu des propos extrêmement clairs
il y a quelques jours pour effectivement exprimer son désaccord à l'égard des propos tenus par Jean-Marie Le Pen en fin de semaine. Elle a mis du temps, c'est la première fois. C'est pas la première fois qu'il tient ses propos. Écoutez, on peut comprendre que en raison des liens familiaux, ce soit peut-être plus difficile. Et encore une fois, le fait que ce soit Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen exprime une position politique très claire en rupture totale avec les propos de Jean-Marie Le Pen, c'est la preuve qu'elle serve l'intérêt général, l'intérêt de notre combat politique avant toute autre considération. Justement, vous parlez de ces liens familiaux, ce n'est pas compliqué d'avoir une famille comme ça qui truste les postes principaux d'un parti. Alors on peut se dire ça permet plus de cohésion, mais là pas du tout. On se rend compte qu'on a peur de vexer, on a peur de blesser, on a peur de... et tout ça. Mais si, ça, ce n'est que ça entre le père, la fille. Vous avez la démonstration depuis quelques jours concrète du. Mais ça a mis un temps fou. Non, bah non, puisque très clairement aujourd'hui, encore une fois, la ligne. Enfin, le détail, il est venu avant, la fournée, elle est venue avant. De nos valeurs. L'occupation humainement supportable. Enfin, voilà, tout ça, c'est venu avant. Non, mais à diverses occasions, Marine Le Pen avait exprimé son désaccord. Et là, on passe à la vitesse supérieure. Très clairement, puisqu'il s'inscrit dans une démarche un peu jusqu'au boutiste, finalement, par des propos de plus en plus virulents, de plus en plus outranciers, et ne communique plus guère que sur ce sujet-là depuis quelques jours, évidemment, on est obligé de prendre acte de cette situation. Est-ce que finalement, ça ne vous arrange pas, cette rupture? Est-ce que ça permet d'achever la dédiabolisation du Front National en se séparant celui qui crée la polémique? Oui, mais je crois très franchement qu'aujourd'hui... Ça vous arrange, c'est ça que vous... Non, je ne dis pas ça. Oui. Je dis simplement qu'aujourd'hui... Je pense que les Français perçoivent le Front National tel qu'il est. Ils voient très bien que c'est Marine Le Pen qui tient la barre. C'est elle, la présidente du mouvement. C'est elle qui fixe la ligne. Et c'est une ligne qui est en phase. Une ligne contestée d'ailleurs par Jean-Marie Le Pen aussi, qui dit « Moi, je suis de droite. Moi, je suis contre la retraite à 60 ans. » Est-ce qu'il y a des gens de droite et de gauche qui peuvent cohabiter au Front National ? Moi, je constate en tout cas qu'il n'avait pas exprimé ses réticences dans les instances, c'est-à-dire notamment au sein du bureau politique, qui est un lieu de débat au Front National. Mais encore une fois, la ligne politique de Marine Le Pen, elle a été validée par toute la séquence électorale, des présidentielles jusqu'aux départementales, en passant par les municipales et les européennes de l'an passé. Donc elle est sereine. Clairement, la dynamique de succès aujourd'hui est du côté de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'elle parle... La vision. Elle parle aux Français, elle parle des préoccupations des Français et elle tient un discours qui est en phase avec leurs aspirations profondes. Voilà, il est clair que les propos polémiques sur des événements qui ont eu lieu il y a 50 ou 70 ans n'intéressent absolument pas les Français. On suivra donc le bureau politique le 17 avril et les décisions prises donc par le Front National. Merci Nicolas.